Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un échauffement constructif. Qu'est-ce que c'est constructif? C'est-à-dire faire les choses d'une manière stable jusqu'à ce que ça pénètre intégralement qui vous êtes. Que ça devienne une seconde nature. Faire les choses d'une manière à ce que ça soit super fluide à un moment donné. De manière à ce que vous soyez tellement tranquille, tellement sûr de vous, que vous pouvez vous amuser. Pour ressentir pleinement, il faut avoir la maîtrise technique. Et c'est pour ça qu'il faut une méthode constructive. Parce que si on fait sans méthode, alors il y en a plusieurs des méthodes, il n'y en a pas qu'une. Il y a plein de méthodes qui fonctionnent, mais si on fait son structure, une certaine façon de composer, on va dire, l'enseignement, voilà, parce que c'est un enseignement, c'est comme si vous enseigniez à vous-même, quelque part. En fait, les enseignants sont là pour vous donner des points de repère. Donc en fait, une méthode, c'est plutôt des points de repère. Et c'est ça qui va donner la construction de votre chemin musical. Donc là, j'ai noté quelques petites choses qui, selon moi, participent à une bonne construction. Alors en apparence, on va se dire « Oh là là, non mais attends, alors là, c'est plan-plan, c'est débutant et tout ça. » Mais il faut savoir, il faut se mettre en tête qu'on est toujours débutant. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de rester humble, déjà, d'une. Et de deux, ça va vous permettre d'être tout le temps constructif, même si vous avez déjà un très haut niveau. Continuez d'apprendre toujours, en fait. Voilà à quoi sert aussi un échauffement constructif. Dire les notes. Alors bien sûr, à un moment donné, à un certain niveau, on connaît tellement par cœur ce qu'on est en train de faire et tout ça, ça roule. Ce qui n'empêche pas, de temps en temps d'ailleurs, relire les notes pour éviter les erreurs. Parce que des fois, quand on est trop sûr de soi aussi, ça peut jouer des tours. Donc en fait, essayez de dire, peu importe le niveau que vous avez, les notes le plus souvent possible. Alors quand vous êtes débutant, bah, forcément, vous les dites tout le temps. Et après, un peu moins. Mais il faut savoir que tout le long du chemin, il faut quand même les dire un petit peu. Même si c'est que pour un échauffement, quand vous êtes débutant, ça sera peut-être tout le temps. Ça sera pour l'échauffement et les morceaux que vous allez faire. Mais il y a un moment donné, vous le faites juste à l'échauffement ou un petit peu pour rappeler des choses. Et après, ça roule. Dire les notes et prendre son temps. Son temps. Parce que c'est comme ça qu'on va repérer les erreurs. Si on fait toujours tout à fond la caisse, on ne sait pas si on fait des erreurs ou pas, c'est du n'importe quoi. Si on prend son temps, on fait des erreurs, mais on en a conscience. Donc on continue un peu ce qu'on a commencé, on s'arrête, on relit tranquillement et on recommence. Repérer les placements des doigts et les marquer. Marquer, c'est un terme qui est quand même connu, mais je vais quand même dire ce que c'est. Marquer, c'est faire plusieurs fois en sentant totalement dans vos doigts, dans vos mains, tout ce qui se passe. Sentir les écarts, etc. Donc en fait, c'est la partie physique. C'est-à-dire qu'il y a la partie intellectuel où là il y a toute la concentration, la lecture de notes, etc. Et il y a toute la partie physique dans vos petites mains, ce qui se passe même dans vos bras d'ailleurs. Et s'il y a des, par exemple des douleurs, ça va vous indiquer qu'il faut lâcher prise, ne jamais jouer dans la douleur, jamais. Ça, c'est pas constructif du tout. La douleur est juste une petite alarme qui dit stop. Lâche prise, fais autrement. Je vous laisse regarder. Do,
Do. Mi. Mi. La. La. Do. Un. Mi. Deux. La. Cinq. Do. Cinq. Mi. Trois. La. Un. Do. La. Dodo. Sol, sol. La, la. Sol, sol. Fa, fa. Sol, sol. Fa, fa. Ré, ré. Fa, fa. Si, si. La, la. Sol, sol. La, la. Sol, sol. Fa, fa. Do. Mi. Mi. La. La. Sol. Fa. Sol. Fa. Mi. Do, do. Mi. La, sol. Fa, sol. Fa, mi. Do. Mi. Do, mi. La. La. Sol. Fa. Sol. Fa. Mi. Do. Mi.
La, Sol, Fa, Sol, La, Mi. Do do. Do. Mi, la, la, sol, sol, fa, fa, sol, sol, fa, fa, mi. Do-do. Do-do. Mi. La-la. Sol-sol. Fa-fa.
sol, sol, fa, fa. Mi, do, mi, la, la, sol, sol, fa, sol, fa, mi. Dodo. Mi. La la. Sol sol. Fa fa. Sol sol. Fa fa. Mi. Dodo. Mi. La la. Sol sol, fa fa, sol sol, fa fa, mi, do do, mi, la la, sol sol, fa fa, sol sol, fa fa, mi. Thank you.
Un petit bilan s'annonce. Alors, un petit résumé. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà ? Dire les notes, prendre son temps. Pourquoi prendre son temps ? Pour repérer les erreurs qui arrivent quand on rajoute d'autres paramètres. Repérer les placements des doigts. Repérer les placements des doigts. Marquer. Marquer, sentir. Sentir dans votre corps. Attention. Si douleur, stop. Faire autrement. Toujours la douceur, la patience. Oh, de merveilleuses qualités, douceur, patience, tranquillité. Pour une bonne construction, patience, douceur, tranquillité. Ah, on respire mieux avec ça, hein? Et puis on pourrait rajouter une petite pointe de gentillesse avec soi-même. Qu'est-ce qu'on s'aime alors? Bon, pas sur ce « I love you ».